Par appui là. Ah si, elle est toute bonne. Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo dégustation tant attendue. Donc ça va être une vidéo dégustation où je vais tester le KFC pour la première fois de ma vie. Donc j'ai commandé pas mal de choses, mais c'est pas des menus, mais j'ai pris des petits éléments par-ci par-là, des hamburgers. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous montrer juste après. Et comme vous avez pu le voir au début, là le parapluie il en a pris vraiment... Il en a pris un sacré coup parce qu'avec la pluie en fait quand il a plu, eh ben en fait il y a eu du vent tout ça et d'un coup ça a défoncé le parapluie en une seconde et je l'ai plus reconnu hein, donc voilà. Et donc voilà, donc le parapluie on a pris un sacré coup. Mais juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu. Et également je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, donc le lien est dans la description. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, ben je suis revenu donc du KFC. J'étais dehors, voilà, il y a une tempête. Bon, j'ai réussi à acheter comme des choses et je vais les tester pour la première fois ici dans cette vidéo, donc comme vous allez le voir. Et j'ai pris pas mal de choses, donc je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai pris. Et donc comme je vous l'ai dit, ben, on va tester le KFC, mais juste avant, ben, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Et après, ben voilà, je donnerai mon avis au fur et à mesure et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Là, c'est le fameux sac KFC, donc je vais tout déballer et après, ben, je vous montrerai tout ce que j'ai commandé. Voici ce que j'ai pris, alors je vais vous déballer tout ça et je vais vous le montrer au fur et à mesure. Alors pour commencer, j'ai pris des frites. Donc voilà, c'est quelque chose de basique que tout le monde prend. Donc voilà, j'ai voulu prendre des frites. Ensuite, j'ai pris donc un hamburger. J'ai pris la Tower Raclette. Et donc ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est une nouveauté. Et après là, il est un petit peu dans un sale état. Mais bon, j'ai hâte de tester ça. En plus, c'est quoi? C'est du steak, j'ai l'impression, avec du poisson. Bon, je sais pas ce que c'est, mais on va tester ça. Ça va être, je pense, très bon. Ensuite, j'ai pris deux hamburgers classiques au poisson. Voilà, donc là, c'est deux petits hamburgers classiques. Donc il y a le premier qui est un petit peu, bon, ratatiné. Et le deuxième qui ressemble à ça, voilà, qui est un petit peu mieux. Mais j'ai hâte de tester ça. Et le dernier truc que j'ai pris, je crois que c'est The Onion Range. Alors, je crois que ça se dit comme ça. Et donc ça ressemble à ça, donc c'est des espèces de, on dirait du calamar, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc on va tester ça, et également on m'a donné des petites sauces, comme ça je pourrais mettre par exemple du ketchup dans mes frites. Et le dernier truc que j'ai pris, donc c'est une boisson, donc je l'ai pas pris sur place, mais voilà, j'ai pris de l'eau, parce que c'est vital, en plus on n'aura plus après, dans quelques années peut-être. Donc j'en profite, voilà, donc j'ai mis de l'eau, j'ai tout ça à manger, et donc je vais tester tout ça, et je vais vous donner mon avis, comme ça vous saurez si j'aime bien le KFC. Donc on commence tout de suite. Donc du coup je vais commencer par manger par exemple cet hamburger là. Ah je valide, là par contre l'hamburger au poisson, là, vraiment il est trop bon. Je trouve qu'il a un très bon goût, il a le goût du poisson. En plus avec les sauces tout ça, ben, ça donne du goût forcément. Franchement c'est un bel hamburger, donc je vais continuer de le manger juste après. Mais juste avant on va goûter le calamar, mais on connaît hein. Non c'est pas du calamar, mais en vrai c'est trop bon ça aussi. Ça je kiffe. Ça c'est validé. Pour le moment, l'hamburger et ça je le valide. Donc ça je vais commencer à le manger. Et ensuite on passera au dernier hamburger. Donc c'est l'hamburger qui est sorti, donc c'est le nouveau hamburger que propose KFC. Cas là où je suis hein. Et après bah, je vais manger aussi des frites, mais les frites je connais ça, j'ai l'habitude hein. Les frites c'est bon, ça c'est sûr. Donc je vais commencer à manger tout le reste et après on passera au dernier hamburger. J'ai mangé un hamburger et là j'ai vraiment kiffé, donc c'était l'hamburger poisson. Il en restait un deuxième, mais là il était excellent, le goût, ben, on le sentait, la sauce aussi. Et franchement avec la salade, tout ça, franchement ça passe. Bon maintenant je vais manger les oignons panés, on va dire ça, voilà, parce que c'est du pané dessus, donc je vais manger ça. Mais là c'était trop bon, j'ai adoré. Franchement ça ressort super bien, c'est un bon goût. Le pané aussi, l'oignon aussi. En vrai c'était délicieux ça. Ça je reprendrai si je fais un KFC. Alors du coup on va tester l'hamburger
Tower Raclette, je crois que c'est ça. On va le tester, on va le goûter. Alors en plus là, le steak il est ressorti, par contre là, il y a un problème mec. En vrai c'est mon premier croc. Moi qui suis difficile dans la viande, tout ça, je fais pas trop viande. Ben là, j'ai kiffé aussi. Mais c'est délicieux, franchement. KFC, mais c'est, je sais pas combien de fois, ce sont des génies. Hein. Ils font vraiment de la qualité, on dirait, à force. Non, je pense pas que c'est de la qualité, mais en termes de goût, par contre, là, c'est un délice. Hein. Je peux pas dire autre chose. Hein. Donc, je vais continuer de le manger. C'est trop trop bon, regardez. Donc c'est de la raclette avec de la viande, je sais pas ce que c'est comme viande, j'ai pas fait gaffe. Il y a de tout en fait, franchement c'est bien, et du poisson pané aussi, et franchement c'est délicieux, j'adore. Là je vous dis, je tiens ma parole parce que au taco j'avais dit j'allais tout finir, mais j'avais rien fini, mais là je sais que je vais tout finir là, KFC je vais tout finir. Ça c'est tellement bon, c'est délicieux. Et en plus, bon ça va, c'est pas très lourd. Pourtant j'ai pris 3 hamburgers, bon j'ai pas encore fini, mais à la fin de la vidéo je suis sûr d'avoir tout mangé. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on sent le côté épicé dans le hamburger Tower Raclette, mais par contre c'est délicieux, franchement j'adore, je kiffe, c'est tellement bon, mais là je pense que je pourrais en manger plein. Du coup le Tower Burger, ben voilà, il était très bon, donc c'est raclette, viande, poisson, franchement un délice. Je regrette pas de l'avoir mangé, donc finalement, bah là c'est un très bon menu pour le moment que je me suis fait. Mais du coup, je vais finir cet hamburger là, celui au poisson. Là, je vous l'avais pas montré, mais là je vous le montre. Voilà, donc, j'espère que vous le voyez bien. Donc, il y a du poisson, du fromage, franchement, ça va être trop bon. Du coup, bah, je vais finir ça et ensuite, après, je vais finir les frites. Je vais vous dire ce que j'en pense à la fin, faire un petit résumé rapide. Ben, la caméra l'a coupé, donc j'ai un peu rechargé. Et là on va continuer avec les frites. Donc on va manger plein de frites, là ça va être trop bon. J'adore. J'ai tout mangé, voilà. Bon, j'ai tout regroupé dedans, voilà. Je vais pas tout vous montrer. Donc, je vais vous donner mon avis. Donc, j'ai trouvé ça excellent. J'ai adoré le KFC. D'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo dégustation du Otakos, eh bien, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir cette vidéo-là. C'est pareil, j'ai goûté mon premier tacos dans cette vidéo. Bah là, j'ai goûté mon premier KFC. Et franchement, j'ai adoré le KFC. Donc, je vous l'avais dit, en plus, j'étais sûr que j'allais tout manger. Et donc, prochainement, bah, on fera peut-être une vidéo dégustation sur un autre fast-food. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et on va se retrouver pour de prochaines vidéos. A très vite les amis, ciao.